Bon matin à toutes et tous, on se retrouve eh bien pour le dernier message de cette semaine et de ce mois de mars. Nous sommes vendredi 29 mars 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Avant de commencer, petite philosophie du matin. Nous seuls avons la possibilité de décider de changer le cours de notre vie. Évidemment, nous seuls. Nous sommes seuls maîtres à bord, n'est-ce pas? Et ce ne sont pas les autres qui décident à notre place. Voilà la petite philosophie de ce matin. Et aujourd'hui, eh bien écoutez, pour terminer ce mois, j'ai pigé l'archange Sandalphon. Donc c'est l'ange, un ange qui a vécu ici comme son frère sur Terre. Et l'archange Sandalphon, c'est la transformation, c'est le chakra sacré, n'est-ce pas? C'est l'ange de la transformation. Alors, on vous invite à prendre conscience que toute transformation naît tout d'abord dans l'amour. L'amour est la clé, n'est-ce pas, de tout. L'amour est l'ultime outil de transformation. Eh bien, l'archange Sandalphon, aujourd'hui, il vient te dire, il t'invite à placer plus d'amour en toi, afin que tes relations et toute association soient harmonieuses. Est-ce que tu t'aimes? Est-ce que tu t'aimes réellement au plus profond de toi? Si tu n'as pas cet amour envers toi, tu ne peux pas en donner aux autres et recevoir. Donc, il t'invite à placer plus d'amour et si tu n'en as pas, en avoir, faire ce travail. Prends conscience de ta pureté divine. C'est par cette élévation, l'élévation de ta fréquence vibratoire que tu pourras, eh bien, transmuter toute souffrance en toi. Laisse s'écouler librement, eh bien, les sentiments et les émotions. Ouvre-toi. Ouvre-toi à l'intimité. Ouvre-toi aux autres. Essaye de te sentir passionné. Transforme dans l'amour toutes les douleurs et souffrances émotionnelles. Il est vrai que c'est pas facile hein, de transformer ce qu'on a vécu par rapport à ces douleurs, à ces souffrances. Les transformer en amour, mais croyez-moi que c'est important de le faire. Vous savez, s'il y a quelqu'un qui vous lance des pierres, envoyez-lui de l'amour. Envoyez-lui des cœurs. C'est dans l'amour que on arrive à beaucoup, 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 beaucoup de choses, à toutes choses. Eh bien, l'archange Sandalphon, il vient aussi te dire de grandir dans la vitalité, de grandir dans l'échange, de grandir dans la sagesse, de grandir dans la connaissance et l'amour. Et telle la chenille qui devient papillon, n'est-ce pas? Eh bien, transforme toute émotion en joie pure et libératrice afin de déployer tes ailes dans ce monde d'amour, le tien. Sois comme la chenille, transforme-toi. Transforme-toi en papillon, dans une immense joie. Dans une grande liberté,
et vraiment déploie tes ailes, ici et maintenant, sur terre. Waouh, quel beau message, hein, n'est-ce pas, pour terminer ce mois avec l'archange Gandalfon. Voilà, il sait ce que l'humain peut ressentir, le même que son frère. Allez, je termine avec l'affirmation positive. Je fais de moi ma priorité. Bien oui, voilà. Je fais de moi ma priorité. Quelle belle synchronicité avec l'archange Gandalfon. Transformation, intimité, chakra sacré, le guide, la sagesse, je fais de moi ma priorité pour pouvoir me transformer. Je vous souhaite une excellente journée et puis un excellent week-end dans l'amour, la bienveillance, la tolérance, l'altruisme, l'empathie. Tout ça, c'est important. Et puis, on se retrouve dans une prochaine capsule. Et d'ici là, prenez soin de vous, de ceux qui vous entourent, de ceux que vous aimez. Et moi, je vous dis à très vite et je vous embrasse.